Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. Bon là je suis encore dans mon lit. Pour vous dire, on est le mardi 14 août. Il est 9h53, donc pratiquement 10h dans 7 minutes. Aujourd'hui j'attends mon colis. Bon, je suis rassurée parce que mon suivi il a avancé dans la livraison. Donc j'attends, de toute façon... J'ai que ça à faire. Niveau motivation, là, ce matin, c'est une motivation zéro. Je vais me laver les cheveux, mais cet après-midi. Parce que ce matin, ma mère ne peut absolument pas m'aider, ni quoi que ce soit. Donc, c'est pas grave. Je ferai cet après-midi, c'est pas un problème. Quand mes cheveux me laissent, on me les sèche. C'est pas grave. J'ai un mal aux dents. C'est affreux. C'est juste pas possible. Je me suis fait le cradiop. Enfin, je me suis mis du cradiop. On a des glaçons. C'est juste trop bon. Là, je vais me mettre un peu devant YouTube et je vais préparer mes affaires pour. Ce que je vais mettre, mais même si je sais ce que je vais mettre mon body Primark. Soit une jupe, soit un short. Et comment ça s'appelle? Je vais mettre ma veste que j'ai acheté chez Bershka, que j'attends de mettre depuis des jours. Et je pense que je vais essayer de faire une photo avec pour Instagram si c'est possible. Là, le temps est pas top, mais il y a un peu de soleil. Donc bon, ce soir, comme je vous ai dit, c'est différent. Je sais plus c'est quand. Je vais chez mon oncle et ma tante faire le reste du barbecue de la dernière fois. Je vais pas beaucoup filmer, clairement, parce que... En plus, il va avoir... mon frère, si je ne dis pas de si. Si c'est toujours d'actualité. Il y aura mes tantes, mes oncles, enfin. On sera une. Je pense que je dis si jamais. Donc voilà. J'ai un peu mal au ventre, mais ça c'est depuis hier. Je sais pourquoi. J'ai pas digéré. En fait, hier soir, j'ai mangé. Vous savez, les hot dogs, je vous ai montré hier. Et en fait, je pense que c'est totalement ça qui m'a donné mal au ventre et autre chose. Et du coup, je pense que je les tolère plus aussi bien qu'avant. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le handicap? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en ce moment, ils ne quittent plus. Ils sont du tout là. Bref, je vous laisse, j'espère vous retrouver un peu plus mieux ça, avec mon colis on espère, parce que là c'était matin entre midi et 14h je crois, donc espérons que ce soit ça, donc je vais essayer de rester vigilante. Bon bref, je vous laisse, mais je suis absolument pas coiffée, je vous dis à plus tard. Voici la volaille du jour. J'ai la volaille, je le savais. Il y en a évidemment partout. Donc je vais vite enlever tout ça. Je vous avoue que je suis un peu blasé, je voulais rester tranquille. Mais là c'est faux. Donc, il était rempli hein, et il m'a fait ça. Je suis dégoûtée. Franchement. Et ce colis. C'est en train de me monter à la tête, franchement. C'est en train de me gaver. Parce que là, il devait repasser aujourd'hui. Et là, je viens de recevoir un truc. Avec marqué échec livraison. Est-ce qu'ils sont sérieux? Parce que là, j'ai eu aucune sonnerie, aucune. Rien du tout. J'ai attendu, j'ai exprès. Ils disent qu'ils sont passés à 10h15.
Donc, comment te dire que t'as 10 h tard, je te levais, j'étais dans mon lit avec Hutch, je crois que lui, il entend sonner, jap, là, rien du tout. Alors, soit mon interphone, il marche plus du tout, les HS, ils ont essayé de sonner, ça marchait pas, soit ils se foutent vraiment de la gueule du monde, parce que clairement, j'ai rien entendu et j'ai de bon. Enfin, j'entends, hein. Donc, je suis un peu blasée, c'est en train de me monter à la tête, clairement, c'est en train de me saouler, donc je vais essayer de voir avec ma mère si je peux pas le déposer en parolette, tout simplement. C'est en train de me. C'est en train de me gaver, clairement, sur ce là. Je pense que je vais plus jamais. C'est bête pour la marque, mais je pense que je vais plus jamais. Je pense que je vais plus jamais recommander ces body shop. Je vais vous montrer parce que je veux qu'il y ait la preuve. Donc, voilà, tu n'as pas mon adresse. Oui. Donc, ça veut bien faire un focus. Donc, voilà, échec de livraison. En attente dans les 10 qui sont venus aujourd'hui à midi à 10h12. Donc à ce temps-là, j'étais levé et que j'aurais dû entendre. Donc soit ils ont pas sonné et que. Soit ils ont pas sonné et se foutent de la gueule du monde. Enfin bref. Je pense que je vais redemander. Est-ce qu'ils me mettent en point relais ou je ne sais quoi, parce que clairement c'est en train de me gaver. Déjà que j'aurais dû l'avoir hier, mais aujourd'hui ça me met je sais pas quoi, que. Clairement c'est abusé. Là, j'aimais bien Chronopost, mais là, je crois que. Là, ça m'a. Enfin. Clairement, ça m'a gavé, mais du plus haut point. Tentative de. C'est en train de me saouler. Voilà, je me plains, mais ça me saoule. Clairement. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Je vous redis, mais restons zen, hein. Donc, bon, je vous retrouve là. Je viens de me réveiller de la sieste. Je me sens bizarre. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai pas dû dormir beaucoup. Donc là, je vais me faire un soin pour le visage. Ça va me faire le plus grand bien et ça va me détendre. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que. J'ai dit qu'ils me le mettent en point colis. Donc j'ai demandé à la poste la plus proche de chez moi, évidemment. Donc je vais le chercher pas demain, parce que c'est fermé, on est le 15 août demain. Du coup, je l'ai dit. Donc espérons que ça sera bon. Parce que, voilà. Je pense que j'aurais dû faire ça depuis un moment, mais bon. Voilà, donc je vais tester le gommage, celui-là, hein. Je suis toute bleue, je sais pas si c'est normal, ça, je vais tester ça, du coup bah, je voulais tester tout le maquillage que j'allais recevoir, bah, au final je ne peux pas, donc bon, tant pis, bien assez de maquillage pour le moment. Donc je vais tester ce gommage. Je vais me mettre le masque comme ça. Je me garde un peu parce que je l'aime tellement que j'essaie de me le garder le plus possible. Mais c'est vrai qu'il a du mal à sécher. Donc j'espère qu'il va. Enfin bref. Il est super bien, mais alors il sèche. En fait, il sèche bien tout là. Sauf là en fait. Donc je vais essayer d'y mettre un peu mieux. Je vous montre tout ça. Et après je vais aller à la douche. Me laver les cheveux.
Bonjour tout le monde. Donc, j'ai mis mon fameux body que vous avez vu normalement dans le hall Primark. Donc là, ça donne rien parce que je n'ai pas bien accessoirisé, j'ai pas mis de collier. Je suis absolument pas maquillée, d'ailleurs je vais y aller là. Je vais me maquiller léger. Mais si vous attendez de voir, si vous voulez. D'ailleurs, je vais faire je vais mettre mon petit chat. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que je vais mettre parce que je ne vais pas me casser la tête. Clairement. Donc, je vais utiliser, enfin, du moins tester la base Land Rover de Too Faced. Je vais essayer de faire ça pour le mettre en fond de teint. Ça se trouve, ça sera moche. Enfin, je sais pas, je vais essayer de le mettre pour que ce soit en fond de teint. Pour le mettre en fond de teint, enfin, je pense qu'on prend ma poudre de d'habitude. Ouais, je vais mettre ma poudre de d'habitude. Mon bronzer Too Faced de d'habitude. Le nouveau blush de chez Tipo, donc celui-là qui est très lumineux. Niveau highlighter, je vais mettre celui-là. Voilà. Alors, niveau mascara, je vais mettre ça. Je vais utiliser la palette, celle-là là. Si vous voulez la référence, celle-là c'est la nude. Je vais essayer avec une base à paupières parce que j'ai acheté celle-là il y a un mois, 2 mois. Et au niveau de rouge à lèvres, je vais mettre un nude de chez Tico. D'ailleurs, en parlant de Tico, ma soeur m'a pris le rouge à lèvres que je voulais parce que je me voyais pas recommander pour un truc. Donc elle me l'a pris. Donc elle m'a pris la collection actuelle, mais c'est la teinte 08. Donc si tu me regardes, Amandine, c'est celui que tu as pris toi. Et du coup, tu m'as donné envie. Et du coup, j'ai voulu l'avoir. Voilà. Je l'aurai dans 2 semaines. Non, un peu moins de 2 semaines. Donc, je vais aller me maquiller du coup. Je vous montrerai ça après. Bon, me voilà maquillée. Donc, au final, l'anti-cerne bandit souhait. Je l'ai mis en fond de teint et ça va. Par contre, c'est vraiment ma couleur de peau, donc c'est assez pâle. Mais je suis plutôt contente. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à aller me faire les cheveux et m'habiller le reste parce que je savais pas trop si je devais mettre une jupe ou un short. Donc ça, je vais aller à ma mère. J'aurais pu jamais de monde bijoux. Là je vais me lisser les cheveux parce que voilà, ils sont plus jolis lisses. Et j'aime bien quand ils sont lisses. Même si je sens qu'il va pleuvoir. Donc voilà. Et je pense que c'est ma mère qui arrive. Bon, je vous retrouve, il est. Exactement, je sais pas si on va voir l'heure. Il est 1h22, donc je ne suis pas prêt de me coucher, hein, comment vous dire. Donc je vais clôturer le vlog, donc je viens de rentrer de mon repas en famille. Mais franchement, c'est de fou là. C'était fou. C'est juste que je suis complètement HS, c'est-à-dire que là je vais quitter ce. Je vais clôturer le vlog. Je vais me démaquiller. Je vais aller me coucher. Demain je vais pas mettre de réveil. Donc je pense que le vlog il aura du retard. C'est même pratiquement sûr. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai pas vlogué finalement parce que en fait il y avait mon frère et il y avait aussi. C'est un nouvel option, donc
Par respect, je ne. En fait, j'ai même pas eu le. J'ai même pas réfléchi en fait. C'était logique. Donc là, clairement, je vais me démaquiller vite fait. Je vais me démaquiller au bifasier pour les yeux et à la lingette pour le reste. Et après, allons micellaire. Et je me redémaquillerai demain matin au cas où s'il me reste des résidus. Et je me ferai mon gommage, etc. Blablabla. Parce que là, j'ai vraiment pas le courage ni la motivation pour me démaquiller comme d'habitude. Là, c'est vraiment le démaquillage à la flemme. Donc, bref, j'espère que cela vous aura plu. Voilà, je fais des bisous. Et je vous retrouve jeudi normalement pour un nouveau vlog. Croisez les doigts pour que j'ai mon colis. Enfin, mais là, ça devrait le faire vu que je vais le chercher en point relais, quoi, en point poste. Donc, je vous fais des bisous et je vous retrouve jeudi dans un nouveau vlog. Bon, pas demain, mais après-demain. Du coup, donc, je vous fais des bisous. Ciao.